Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous sommes venus à Yamoussoukro parler de formation. Voilà, Binance qui organise une formation à l'établissement ISKE. Voilà, donc nous avons été invités et donc nous sommes venus pour voir un peu tout ce qui est actualité, tout ce qui est formation, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, par rapport à nous, notre communauté, il était important que nous fassions les déplacements, vu que Binance, voilà, c'est la première plateforme au monde de crypto-monnaie, la plateforme la plus utilisée, qui revendique déjà plus de 70% de tous les flux d'argent qui circulent dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, il était très important qu'ils soient déjà au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau de l'Afrique, maintenant qu'ils se retrouvent à nos portes. Alors, nous avons fait ce déplacement-là, venir nous enquérir des faits. Et du coup, après la conférence, vous serez les plus informés de tout ce qui s'est passé ici et qu'est-ce qui se passe dans l'actualité des crypto-monnaies. Alors, c'est le coach Loss. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, comme je vous ai donné en introduction, nous sommes à Yamoussoukro. Alors, on vient de terminer comme ça la séance de cette conférence-là, initiée par Binance Côte d'Ivoire, Binance Afrique, on va dire, Afrique francophone. Alors, nous avons assisté, on va dire, à cette conférence, qui avait pour sujet l'adoption des crypto-monnaies et l'utilité des crypto-monnaies, et aussi l'apport que Binance peut faire au niveau des crypto-monnaies en Afrique. Alors, beaucoup de questions ont été posées. Les étudiants de ISKE, au niveau de Yamoussoukro, ont posé pas mal de questions. Peut-être à savoir déjà, c'est quoi la crypto-monnaie? Alors, c'est quoi la blockchain? Alors, les intervenants, ont vraiment expliqué magistralement, en tout cas, toutes ces questions-là. Et d'autres questions sont venues du côté des étudiants. C'est quoi un KYC? Comment créer son compte Binance? Alors, les échanges qui sont faits peer to peer ont beaucoup intéressé aussi les étudiants. Sachant que grâce à Binance aujourd'hui, vous pouvez utiliser vos comptes Mobile Money, faire des achats et même faire des ventes en crypto-monnaie partout où vous vous trouvez. Binance vous permet de pouvoir faire ça via sa plateforme. Alors, les questions concernant la crypto-monnaie, la blockchain. Alors, les étudiants ont cherché à savoir plusieurs aspects. Alors, la blockchain sert à quoi? À part le fait que nous utilisons pour les transactions, est-ce qu'il y a d'autres utilités pour la blockchain? Alors, toutes ces utilités pour la blockchain ont été données. Alors, on a expliqué que ceux qui sont en IDEA, c'est-à-dire développeurs d'applications, peuvent utiliser la blockchain et devenir des experts, créer des applications qui vont servir, l'Afrique. Alors, on leur a expliqué cela. Ceux qui sont en logistique peuvent utiliser la blockchain. Par exemple, si vous connaissez la crypto-monnaie qu'on appelle VeChain, VeChain permet de faire tout ce qu'on appelle tout ce qui est traçabilité des produits. Alors, VeChain vous permet de faire tout ceci. Alors, il y a plein de choses que la blockchain vous permet de faire. Alors, certains étudiants étaient déjà initiés aux crypto-monnaies. Certains même se sont essayés au trading futur. Beaucoup ont perdu. Certains même ont voulu lâcher l'affaire. Alors, il y avait un expert, du nom de Chris au niveau de Binance qui est expert, en trading futur. Alors, il a donné des conseils aux apprenants. Alors, disant que lui-même ayant perdu, aussi au départ, parce qu'il n'avait pas la formation qu'il fallait, alors il s'est essayé, il a créé de l'expérience d'abord. De 2014 jusqu'à 2017, il a fait des pertes. Alors, quand je vous dis tout le temps que vous devez vous former, d'abord, première des choses, c'est avec qui tu te formes. Deuxième des choses, troisième des choses encore, alors si tu te formes en une seule fois et puis tu deviens un expert du jour au lendemain, toi tu viens trouver des gens sur le marché. Et puis du coup, toi, tu deviens un expert, tu commences à faire de l'argent. Alors, ce n'est pas magie, magie. Alors, c'est l'expérience qui fait la différence. Alors, Chris nous a expliqué ça ici, à cette conférence, expliquant aux uns aux autres que, quel que soit ce que nous faisons, nous devons être formés et nous devons aussi savoir ce qu'on appelle le management de nos émotions. Vous devez gérer vos émotions. Ceux qui sont très impulsifs,
Alors, c'est difficile pour eux de gérer leurs émotions, ne pourront pas progresser. Il a été très, très clair là-dessus. Ils ne pourront pas progresser dans ce domaine de trading futur. Alors, une étudiante a posé la question, mais quelle est la différence entre le trading futur et les jeux de hasard? Alors, à cette question, on lui a dit que les jeux de hasard, il n'y a pas de fondamentaux derrière. Mais pendant par rapport aux crypto-monnaies, il y a des fondamentaux. Alors, il a pris l'exemple de la CIE. Alors, quand vous regardez une société comme la CIE qui n'ont pas de concurrents, alors, si on vous dit d'aller payer des actions CIE, alors vous savez que si vous payez ces actions CIE, que vous les gardez dans 5 ans, vous allez faire de l'argent. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de concurrents. Alors, c'est eux qui distribuent partout l'électricité. Alors, forcément, les actions vont prendre de la valeur. Alors, c'est la même chose dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, on ne fait pas le trading sur n'importe quelle crypto-monnaie. Il faut se former, il faut maîtriser. Il y a d'autres même qui ont posé la question. Alors, c'est une question d'outils à maîtriser. Il dit non, c'est une question de maîtriser les basiques. Alors, ce qu'on appelle les basiques ici, c'est connaître les courbes, maîtriser, bien maîtriser tout ça. Alors, et aussi gérer aussi, savoir gérer ses émotions. Quand vous arrivez à faire ça, après peut-être des mois, peut-être même des années, alors vous pourrez devenir rentable. Mais avant de devenir rentable, acceptez aussi de perdre. Voilà le conseil qui a été donné par Chris. Alors, d'autres intervenants aussi ont parlé. Alors, vous allez avoir aussi, à la fin de mon interview ici, alors, vous allez voir aussi, eux-mêmes ont parlé. Nous avons interviewé Chris, nous avons interviewé aussi Andy aussi. Qui a parlé aussi des crypto-monnaies, de l'adoption. Alors, vous allez les écouter et puis, vous allez tirer aussi vos conclusions. Alors, nous disons merci à Binance qui a permis à ce que, les étudiants, de Yamoussoukro puissent, poser les questions. Alors, savoir c'est quoi la crypto-monnaie et où est-ce que le monde est en train de partir par rapport à l'adoption des crypto-monnaies. Moi, je vous remercie et je vais vous laisser écouter, les gens qui sont venus spécialement de Binance pour venir donner cette information. Vous allez les écouter et puis vous allez vous tirer aussi vos conclusions par rapport à ça. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis. Nous, on n'arrête pas de se former, on n'arrête pas de chercher les informations. Bien que nous soyons formés, alors la formation reste continue. C'est pourquoi nous nous sommes déplacés pour venir jusqu'à Yamoussoukro, venir encore, prendre encore d'autres informations, se former aussi davantage afin de pouvoir aussi former aussi notre communauté. Merci à Binance et merci à toute son équipe et à la prochaine.